Bien, messieurs, dames, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, on va se retrouver dans quelques minutes, quelques instants pour ce vol entre Bastia Porretta et. Enfin entre Paris, pardon, De Gaulle et Bastia Porretta. Mais avant toute chose, je voulais un petit peu revenir sur les différents événements qui se sont passés directement à la suite donc de mon usurpation d'identité. Alors comme vous le savez, tout a repris de manière normale, classique et conforme. Nous avons rouvert les vannes de manière progressive, comme vous le savez, nous avons rouvert des vannes niveau convoi, niveau réseau, on a tout rouvert de manière progressive et en fait on s'est aperçu de plusieurs choses avec beaucoup de personnes qui me soutiennent à l'heure d'aujourd'hui. C'est que, un, les personnes qui soi-disant se prétendent staff, qui se prétendent à vouloir défendre les intérêts des gens et à vouloir comment dire, défendre des causes informatiques et autres, quand on n'est pas capable, on ne fait pas. C'est comme dans tout corps de métier, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété, mais malheureusement, il y en a qui ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Bon, bref. Bien entendu, par rapport à cette usurpation d'identité, comme vous le savez, bah, j'ai été mis hors de cause. Comme vous le savez aussi, au jour d'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de problème. Les haters aujourd'hui, nous avons gagné un large terrain sur eux. Nous ne sommes plus harcelés ni même intimidés. Bien entendu, alors, comme je vous le disais, et je pense que vous l'avez peut-être pu le suivre sur mes réseaux, les haters avaient, comment dire, continuellement dans la bêtise et actuellement vous le savez un petit peu avec ce qui se passe dans le monde comment dire ces haters ont continué dans la bêtise de m'intimider de venir sur mon propre lieu de domicile pour en découdre avec moi sauf que cependant ces bandes de trous du cul pardonnez-moi du peu mais pour moi ce sont que des bandes de trous du cul. Comment dire, se sont fait manipuler par des gens qui leur ont raconté du grand n'importe quoi. Je n'ai jamais, et je le dis bien de manière conforme et perpétuel, je n'ai jamais piraté de site web ni même de base de données, que les choses soient bien claires. Aujourd'hui, comme je vous le disais avant le début donc de ce vol, nous avons ouvert les vols, les convois, nous avons tout rouvert. Donc, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons tenu tête à ces bandes de bras cassés, à ces branquignols qui aujourd'hui ont décidé notre propre vie. Alors au jour d'aujourd'hui, oui, je vais être très honnête vis-à-vis de vous tous, pardon, de ceux qui me regardent. Tout a repris de manière conforme et normale. Nous sommes sortis, on continue de sortir dans les alentours, il ne nous arrive rien. Donc, ce qui veut dire que, à force de vouloir créer des règles, des sur-règles, des sur-sur-sur-sur-sur-sur-sur-règles, comme pour certaines plateformes qui risquent d'avoir des problèmes de GDPR, RGPD, dont je ne citerai pas ces plateformes qui continuent, elles, perpétuellement à me suspendre, c'est pas grave. Ce seront eux qui auront des problèmes, pas moi. Parce que eux me devront des dommages et intérêts. C'est pas la même chose. Et ces plateformes-là qui me suspendent à tort, qui prétendent soi-disant que je les ai insultées, que j'ai piraté un site web et une base de données, ouais, j'attends toujours. J'attends toujours, mais en attendant, c'est vous qui allez avoir des problèmes. Parce que faut bien être conscient que j'ai demandé à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, directement une enquête. Et je vais la redemander parce que je considère qu'aujourd'hui j'étais mis hors de cause. Je considère que vis-à-vis de la justice, et comme vous le savez, au jour d'aujourd'hui, la justice m'a dit que j'étais complètement hors de cause, que je n'ai jamais piraté de site internet, même de base de données, et je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Il est où le problème? C'est vous, c'est moi le problème. Moi je sais pas, je finis par me poser la question. Voilà. En attendant, le vol donc entre Paris et Bastia donc se fera en deux temps. Vous allez avoir donc le repoussage, le roulage, le décollage et après on se retrouvera donc à l'arrivée à Bastia et vous allez voir que normalement tout se passera au mieux puisqu'il y aura un group flight très prochainement là-dessus et puis donc tout cela sera donc commenté donc sur la chaîne. Je ne vous donnerai pas la date parce que les haters voudront y aller, mais bon, je ne préfère pas donner cette date, bien entendu, et cet événement ne sera pas retransmis en direct, ça sera retransmis sur mes réseaux directement. Voilà, je pense que les choses sont dites. Il me semble avoir fait le tour sur ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On est parti, je vous laisse avec le vol entre Paris et Bastia, et puis vous pourrez vous faire votre propre opinion après. On en débriefera à la fin du vol. Et puis il sera temps de taper sur les gens à la fin de ce vol, pardon, entre Paris et Bastia. Je vous laisse avec le vol, on est parti, let's go, bon après-midi à vous tous, et on est parti, let's go, direction Bastia en Corse. Allez, rebonjour à tous, rebonjour tout le monde, ça y est, nous sommes donc bel et bien partis, direction Bastia. Alors c'est un décollage 08 gauche, avec un départ visiblement sur l'Econ, puisqu'il n'y a pas de contrôle ATC.
cet après-midi. Bon, bah, c'est pas très très grave en soi. Le niveau initial, niveau 3, 5, 0. On n'avait pas regardé par contre côté carbu ce que ça donnait. Parce qu'on va pas se mettre à 100% non plus. On va mettre 65% de carburant. C'est largement faisable en 2 heures. Voilà. Donc là, on est bon. Ok. On va demander notre clairance IFR, destination Bastia. Voilà, c'est ce que je disais, 8 gauche. Et on y va, let's go. Ah oui, il y a wheel chocks au sol, effectivement, ce que j'allais dire, mais pourquoi on recule pas? Parce qu'il y a les wheel chocks. Donc hop, removed. Et là, on est parti. Personne là. Ouh, défaut de scénerie. Oh, c'est pas bien. La tour, hop, ok, ça marche. Alors, allez, on y va, let's go. Donc déjà, vous voyez que pour le moment, il n'y a pas le moindre haters, il n'y a rien du tout. Et vous voyez, De Gaulle est calme, vous avez peut-être pu le voir pendant le repoussage, mais pour l'instant, à De Gaulle, bah, c'est calme. C'est très 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 calme.
Uniforme Tango 4. Hop, on va allumer. Hop. Allez, autorisation de décollage, 8 gauche. Allez, flaps up. On est en train de se battre avec le train. Allez, on se retrouve quant à nous à l'arrivée à Bastia tout à l'heure. Et puis bah moi je vous dis à tout à l'heure et vous avez vu pour l'instant, il n'y a rien. J'ai entendu, c'est bon. Eh bien, ça y est, messieurs, dames, nous arrivons donc sur Bastia. Donc on a démarré la descente niveau unité 6-0 pour une arrivée piste 16 à Bastia. Et donc pour le moment, bah, vous voyez la météo qui est assez couverte pour l'instant, avec pas mal de brouillard, en nappe de brouillard à 35 000. Donc voilà, et donc après on sera contacté par Marseille Contrôle 124-650 pour l'arrivée. Voilà, à tout à l'heure pour la phase finale d'approche sur Bastia. Et donc voici donc la Corse que vous voyez à droite de votre écran ici, le continent Corse. On atterrit piste 16, vous voyez, il y a énormément de relief et donc on arrive en piste 16 et normalement l'aéroport se trouve là-bas. Dans ce demi-cercle après, vous voyez là-bas un peu mal dessiné d'ailleurs côté P3D, mais on arrive et on est avec Marseille. Je vais continuer à réduire. Marseille, Air France 125. Je vous écoute, 125. 125, est-ce qu'on peut réduire pour l'approche sur la 16 en attendant? Air France 125, aucune restriction de vitesse de ma part. Ok, c'est reçu, merci. Allez, c'est parfait, 202. Allez. Flap 5.
Et on réduit 180. Mon trèfle, on va faire 30, 151, c'est bien. Allez, on approche donc de la piste 16, donc on va déconnecter le pilote auto dans quelques secondes pour une approche visuelle piste 16. Et pour le moment, il fait 10 degrés. Allez, on va déconnecter le pilote auto. Liberty Golf via Whiskey 3, wind 0, nano 0 degrees, 10 knots, one way, 04 right, clear for takeoff. C'est le Transat 4, pardon, Transat 629 qui est appelé? Transat 629, et bien la mise en route pour Montréal approuvée, le départ Ballard 7 Alpha, piste 04 droite, niveau 130 initial, les transpondeurs 5, 6, unité 7. Et Transat 629, la relecture correcte, rappelez-moi après. Just to confirm, if it's the Summerland 7. Summerland 7, 2-3, via Palmy, affirm you are clear at approach 1-way-0-5. Palmy, it's the Air France 125, le vent à Bastia, du 120 pour 4 nœuds, piste 16, autorisé à atterrissage. Autorisé à atterrissage, piste 16, Air France 25. Air France 450, Tango, Clam, Flat Level 330. Reference 450 Tango, Clam, flat level 330. 330, reference 450 Tango. 5-8 Victor Golf identified, clam flat level 240. Summerland 72, wind in Toulon. 1,000. Sorry, 080 degrees at 6 knots, one way, 05, clear to land. Topsis 58, Victor Golf, turn right, direct, Orcac. Direct, Orcac, Topsis 58, Victor Golf.
Pause, quand même. Et bah ben voilà, bienvenue à Bastia. Et vous avez vu? Aucun haters! Aucun! C'était pas bien compliqué. Ah ouais, alors j'ai dû utiliser toute la gomme pour freiner. Comme à Bastia, la piste est courte. Très bonjour, identify direct à Black. Direct à Black. Bonjour. François 25, roulez à votre porte, bonne soirée. On roule jusqu'à l'aéroport, Air France 125, merci à vous du contrôle et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Weather control, very good. Afternoon, Super 311, fly level 380. Spirit 311, good afternoon. Set Cork 5614. 5614, Spirit 311. Ah ouais, on a utilisé toute la gomme. Service terminated, Unicom 1122.8, bye bye. Eh ben, bienvenue à Bastia. 16h20. Swiss 72, Roger, you can. Taxi at your own discretion to your stand, and we'll see you next time. Bye bye. Et voilà, donc bienvenue donc à Bastia, et bien pour ce vol. J'espère que ça vous aura quand même plu. Voilà pour un retour sur sur la chaîne avec ce magnifique 737-800 qui nous aura accompagné de Gaulle jusqu'à Bastia. Et dans quelques instants, le débrief pour cette édition. Bien, messieurs, dames, ça y est, donc le vol entre Paris et Bastia donc, a touché à sa fin. Bon, je pense que vous avez peut-être compris. Il n'y a pas eu encore de blocage de piste, il n'y a rien eu du tout pendant l'intégralité du vol. Bon, alors, c'est le moment, je vous avais dit que je taperais sur des gens, et là je le fais. Alors, moi j'ai quand même une petite question quand même pour certains d'entre vous. Et pour certaines personnes qui m'inventent une vie à un personnage que je ne suis pas. Exemple, de Mademoiselle C, Mademoiselle Anna, Mademoiselle Lisa, Mademoiselle RN, et d'autres. À quoi ça vous apporte d'inventer une vie qui ne vous appartient pas et de faire de la jalousie? Parce que c'est clairement ça, c'est de la jalousie. Si vous avez essayé de me nuire pour votre propre intérêt personnel, donc c'est ça donc la France. Je crois pas, non. Alors, je voudrais revenir sur certaines choses quand même qui se sont passées, souvenez-vous. Les haters se sont permis donc d'utiliser mon image, se sont donc permis d'utiliser ma propre personne pour essayer de se faire justice eux-mêmes, parce que soi-disant, des personnes ne l'auront dit, donc ce sont des on-dit, des rumeurs, comme on dit, des bruits de couloir, qui sont totalement faux et inventifs, comme quoi j'aurais hacké un site web et une base de données. Je vous rappelle quand même que pour certains, d'accord, qui se prétendent professionnels et qui, soi-disant, garantissent notre propre sécurité, j'ai envie de leur dire non. Vous n'êtes absolument pas professionnels. Pardonnez-moi du peu, mais j'ai suivi des formations d'informatique, d'accord ? C'est pas pour me vendre, c'est pas pour me vanter, c'est pour vous dire les choses. Moi, je suis capable d'analyser les choses. Et moi, en analysant les choses, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que pour certains, vous avez inventé une vie, un personnage que je ne suis pas. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. La deuxième, vous n'avez pas compris que vous êtes fait manipuler pour certains? C'est grave. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que, en fait, je résume. Pour les gens, vous avez pensé que, mais à penser que,
Ce n'est pas la vraie vérité. C'est-à-dire que je sais que moi, je n'ai jamais piraté de site web ni même de base de données. Attention, ce n'est pas parce que j'ai suivi des formations dans le web que voilà, je suis un pirate informatique. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que, comment dire, les gens, ça aussi, il y en a qui restent dans le passé à penser que j'ai piraté un site web et une base de données. Je sais pas quoi ça vous apporte. Je ne sais pas, faudra m'expliquer. Je sais pas, je me pose la question. Je sais pas. Je sais pas, moi je suis quelqu'un de très gentil avec la main sur le cœur. Ça vous, ça, je sais pas, à un moment donné, ça devrait quand même être compréhensible. Je veux dire, sur mes réseaux, j'ai laissé les avis. Je vous en ferai une. Je vais vous faire un lien juste après derrière. Des liens des avis qui ont été laissés me concernant sur Airbnb. Vous allez voir. C'est des gens que j'ai déjà vus dans la vraie vie. Hein. D'accord? Je n'ai payé personne. Alors, ça aussi, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais les avis, machin, truc, tout, t'as payé les gens. Non, 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 non. Aucune somme d'argent n'a été versée. D'accord? Donc, encore une fois, moi, ça me laisse quand même à penser que certaines personnes se sont fait manipuler. Je vous rappelle quand même, à l'occasion de cette vidéo, je vous le rappelle quand même que les haters s'étaient permis d'utiliser mon droit à l'image pour mettre des choses radicales. Ok? Je vous rappelle juste une petite chose, ça a été supprimé à ma demande. Je n'ai rien effacé, d'accord? Je l'ai fait parce que c'était de mon droit, parce qu'il y a eu de la violation de droit à l'image, et parce que tout simplement les haters se sont permis de vous manipuler, de manipuler des gens comme vous, comme moi, dans le but d'obtenir votre propre argent, vos adresses IP, vos adresses mail, etc., etc. Pour certains, vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Je prends l'exemple de trois personnes qui sont restées en contact avec moi, d'accord? Que j'ai revues. Ne serait-ce que hier, zéro problème. Zéro. Moi, je sais pas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Est-ce que... On sait que c'est eux les responsables. Il n'y a pas eu de blocage de piste aujourd'hui. Il n'y a rien eu. Donc, où est le problème? Eh ben, moi, je vais vous le dire. Le problème, ce sont ces bandes de bras cassés, ces gens qui se sont fait manipuler, qui n'ont aucun sens critique. Aucun. Et qui, en plus, m'invente une vie, un personnage. Alors ça, c'est l'un des trucs que je ne peux pas cautionner. Encore pire, on me dit j'ai insulté des gens. Ben non. En réalité, maintenant, il y a des choses que je sais, mais je vais pas lâcher. Parce que je considère qu'on m'a trop caché d'éléments. Et ce trop caché d'éléments, va falloir me dire la vraie vérité. Voilà donc, messieurs, là, un petit peu l'esquisse et le contour que je voulais vous dire à travers cette vidéo finale de vol entre Paris et Bastia. Je pense que vous l'avez peut-être vu, aucun blocage de piste au départ, aucune communication abusive, et à Bastia, aucun blocage de piste et aucune communication abusive. Sur Trucker MB, aucune marge abusive, rien de tout ça. Ça pose des questions quand même, parce que quand on voit que des gens comme Mademoiselle Anna, Lisa, Mademoiselle C et d'autres se sont radicalisés, je dis bien radicalisés, sur des gens qui ont inventé des propos me concernant et qui peuvent penser des choses dangereuses, on voit ce qui se passe actuellement en France, ça devrait un petit peu vous sonner la tirette, enfin ça devrait, pardon, vous dire dans votre tête, on a été abusif contre lui. Oui. Oui, pourquoi? Parce que vous avez pensé que, mais pensez que, et cherchez les vraies preuves que, c'est différent. Il y en a qui vous ont empêché et qui continuent éperdument à vous cacher les informations, les actualités du jour, les actualités que je vous donne sur la chaîne. C'est pas pour rien, c'est de la dictature, de la censure et de la jalousie. C'est ça qu'il faut se dire, messieurs, dames. C'est uniquement ça. C'est de la jalousie. Quand je vois certaines personnes qui me tournent le dos, ou qui vont me tourner le dos, mais libre à eux, moi je m'en fous. Moi je sais qui je suis dans la vraie vie. Eux, non. Voilà. Il faut être clair, concis et constructif dans tout ça. Et moi, dans la construction de tout ça, ben, je me rends compte qu'il y a eu des gens qui ont été manipulés, qui ont été intimidés et qui n'ont pas connu la vraie vérité. Et la vraie vérité, moi, je vous la donne, je vous l'ai toujours donnée sur mes réseaux. Je n'ai jamais piraté qui que ce soit. Je n'ai jamais hacké de site web ni même de base de données. Je ne sais pas faire ça. Et je n'ai encore moins insulté qui que ce soit sur les réseaux. Donc, les gens qui se prétendent professionnels aussi, d'accord? Qui me disent, ah oui, mes machins, mes trucs. Non, fermez-la, vraiment fermez-la. Honnêtement, je crois que le summum de la connerie, c'est enterrez-vous profond. Parce que là, clairement, quand vous n'êtes pas capable de réfléchir pour certains et vous connaissez soi-disant l'informatique, ah mais vous me faites doucement rire pour certains.
vous me faites doucement rire. Parce que je peux vous garantir que pour certains, vous n'y pipez rien et vous ne comprenez rien. Et vous continuez sur la même connerie, la même lancée. C'est pas comme ça que vous allez évoluer les gens. Loin de là. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce soir sur ce vol final entre Paris et Bastia. Il me semble avoir été clair sur ce propos. Je ne peux pas mieux l'être. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui continuent à venir me voir en vrai et qui, eux, arrivent à avoir un terrain de discussion admissible et qui, eux, réfléchissent. Et là-dessus, ça fait le plus grand bien. Croyez-en mon expérience. Voilà, messieurs, dames, sur ce que je voulais vous dire. Bonne journée à tous et en tout cas, à très bientôt pour de prochains vols sur la chaîne. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt.